Hey, salut tout le monde! Bonjour, bureau Tupperware, lundi allemand. Bon vendredi! Écoute, c'est la fin de semaine qui est arrivée. Êtes-vous excités? Là, si vous entendez mon chien pleurer, faites-vous-en pas, je suis pas un mauvais maître. C'est un bébé, c'est un petit bébé, il n'y a même pas un an encore. Et on m'a dit, tant qu'il n'est pas sa coche pour la propreté, si tu peux pas le surveiller avec tes deux yeux tout le temps, faut que tu le laisses dans le cache. Fait que c'est pour ça qu'il est là, OK? Faites-vous-en pas, je suis pas une mauvaise mère. Et là, je m'en vais, OK, moi je veux savoir, qui aime ça ici, les cadeaux, les tirages, le pas cher? Allez me marquer dans les commentaires, qui aime ça? Moi, je pense qu'on aime tout ça. Et là, Maria, qui est notre leader, a décidé de donner des cadeaux. Puis là, j'ai fait, oh, OK. Hey, bonjour José, Michael et Geneviève. Aimez-vous les cadeaux? Moi, je pense qu'on aime tout ça, les cadeaux. Et là, quand elle a sorti ça, j'ai fait, ah oui? Elle dit, là, Marie, on va faire un concours de partage. Elle dit, les gens aiment ça, du Tupperware gratuit. Je dis, ben c'est clair. Fait que là, si vous aimez le Tupperware pas cher, là, il faut que vous alliez en bas. C'est marqué partager. À chaque 25 partages, on va avoir le droit d'avoir un 100$ pour 40. Puis en plus, c'est Maria qui paye. On aime vraiment ça. Alors, allez en bas. Bon vendredi, José. Allez en bas et cliquez « Partager ». Parce qu'à chaque 25... Là, j'ai mon ordi à côté. À chaque 25 partages, on va avoir le droit d'avoir un emballage de Tupperware de 100$ à 60% de rabais. Fait que moi, je commence tout de suite avec ça parce que j'adore ça. J'adore cette job-là parce que depuis 14 ans, je suis beurrée de cadeaux comme mon ami Debbie a dit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Fait que ça, c'est la raison pour laquelle on aime ça. Et l'autre raison pour laquelle on aime ça, c'est que là, elle a décidé de faire du double dip. Fait qu'attends, c'est pas tout, là. Là, elle a décidé qu'en plus de ça, elle allait donner pour chaque 25 commentaires qu'elle allait aussi donner un 100$ pour 40. Hey, c'est du Tupperware à 60% de rabais, ça. Moi, je veux aujourd'hui, puis si on atteint 100, c'est gratis. Fait que moi, je veux qu'on coûte cher à Maria, parce que c'est pas moi qui paye. J'aime vraiment ça. Hey, on va abuser quand c'est elle qui paye. Alors, êtes-vous game de partager? Puis là, commentez-moi. On va l'amuser avec les commentaires. De où vous écoutez le live, gang? Je veux savoir de où vous l'écoutez. Allô, ma belle Sylvie! De où écoutez-vous le live, les amis? Toujours intéressant de le savoir aussi de quel endroit vous venez. Moi, je reste à Saint-Zénon pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein? Et je suis en train de partager partout. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire une recette que vous... Ça fait combien? Qui a ça à la maison? Rivière-du-Loup? Wow! Ah, ça, c'est beau, Rivière-du-Loup. J'adore la Gaspésie. Ben, t'es dans l'entrée, mais j'adore la Gaspésie. C'est tellement beau. On avait loin un chalet à Rivière-du-Loup. Tu sais, la grande promenade avec le béton sur le bord du fleuve, là. J'aime ça me promener là. J'adore ça. De Sainte-Eugène de Grande-Terre. OK, Sophie a dit, je prends plus de chance. Elle va dire d'où c'est qu'elle vient. C'est comme moi, c'est José. Sophie, quand je dis je viens de Saint-Zénon, il y a tout un... Hein? Ah, Geneviève! Oh, Geneviève! Ah, toi, c'est où Saint-Zénon? Elle a fait, oh! C'est pour elle, ça a l'air loin, alors que moi, Joliette est tout proche. Puis là, je suis en train de finir. Il me reste un partage à faire. Et on est en business. C'est ici. Yes, sir. Ah non, je l'ai partagé, là. Ah! Ah, je suis toute mêlée. Hey, là, je vous fais de la mousse au saumon. Partagez partout. Yes, sir! OK, moi, je veux qu'on batte tous les records, là, parce que j'aime ça gagner, puis c'est pas moi qui vais avoir le stock, c'est vous autres. Fait que pourquoi on le ferait pas? C'est toujours ce que je me dis. Hein? OK, et la dernière que je veux partager, c'est ici, sur ma page pro. Puis aussi, il y a une raison pour laquelle je pense que c'est important de partager, c'est qu'on achète beaucoup de la mousse. Yes, sir, José a dit, j'ai partagé. On achète toute de la mousse au saumon. Puis là, la recette, je vous fais... Hey, salut ma belle Chantal! La recette que je vous fais aujourd'hui, c'est de la mousse au saumon. Et la mousse au saumon, on achète tout ça en petit mini pot de même, là, genre ça de haut. Puis qui a remarqué qu'il y a une dénivellation dans le fond en plus, qui fait que ça n'a même pas rapport à... Moi, ça me choque quand je vous dis en faire la même, parce que je suis comme... Pourquoi tu mets un fond de plastique relevé comme ça? Tu mets moins de mousse dedans. Hey, moi, j'haïs ça. J'ai l'impression de me faire avoir. Des petits bonhommes qui rient, ceux qui sont d'accord. Et moi, je suis comme,
t'as pas le droit de faire ça. Je suis comme, t'as pas le droit de faire ça. Fait que, hey, my God, là, j'ai presque fini. Puis en attendant, ça vous donne le temps. Parce qu'on pourrait même faire un tirage avant même de commencer la recette. Ça serait vraiment sacoche. Coup ton cher à Maria. OK, là, moi, j'ai partagé. J'ai dû partager partout, là. Publié. Oh yeah! Hein? Marche même pas! Oh, 5 pinottes. Attends, je vais l'enlever. Et tableau. Ouais. On va la voir. Là, peut-être vous faites un, mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Parce que moi, tous les partages que je fais, vous allez gagner du stock avec. Fait que c'est juste pour ça que j'aime ça le faire. Juste pour que vous puissiez gagner du stock avec. Sinon, on oublie ça, là. Écoute, moi, ça a changé toute ma vie d'avoir ça du Tupperware. Fait que, oh yeah, on est dans business. OK. Ils vont voir les employeurs. Mais hein, ça gèle. Ah oui, Josée. Ça, ça arrive des fois que les gens me disent ça. Hey, on est déjà 20. Qui c'est qui a déjà... Continuez de me marquer d'où vous venez. Et l'autre question que je vais vous poser, c'est qui a déjà acheté de la mousse? Mousse aux crevettes, mousse au saumon, aspect coton. Hein? Allez me le marquer dans les commentaires. Quel style vous avez déjà acheté? Puis pour vrai, avouez, c'est dans assez gros de même. Là, hein? Le typo, il est haut de même. Moi, je vais te rendre. Hey, ça, là. Non, mais qui fait comme... C'est pas juste pour les grand-mères, là. Je suis pas grand-mère, puis je suis pas prête pantoute, OK? Fait que... Mais ça, là, c'est pas juste pour les grand-mères. Vous pouvez vous en servir. Et là, je vais vous faire une petite mousse au saumon. Fais-la au thon, fais-la aux crevettes, fais-la au poulet. I don't care. Ça va être la même quantité, OK? Faites-la comme vous voulez. Et moi, je vous le dis, j'achetais tout fait avant. Parce que je savais pas le tout faire à manger. Et ça, j'ai pas de mérite. C'est mon chum qui l'a fait, OK? Ah, oh, on est déjà! On est à neuf! OK, continuez! mousse aux crevettes! Hey, avec ce que j'ai fait... Attends, je suis sûre que je refresh la page. Je suis sûre qu'on va avoir encore plus de commentaires et de partages. Mais on a déjà 25 commentaires. Fait qu'on va déjà pouvoir aller en faire un. Hey, non, mais on aime ça. On va déjà pouvoir aller faire un commentaire. Et là, je me promène dans les commentaires sur l'ordi. Et c'est Michael d'Auteuil. Qui vient? Michael, tu viens de te mériter. Là, je le marque ici parce que sinon je vais l'oublier. Un emballage de 100 pour 40, OK? Vraiment. Si on arrive à 10, qu'est-ce qui se passe? Il faut être à 25, Sandra. Mais là, on a Michael d'Auteuil qui vient de gagner son premier, OK? Fait que marquez-moi d'où vous venez et marquez-moi si vous avez déjà fait des mousses au saumon, au thon, à tout ça. Puis... Qui a des fondus au goût chez eux? Bien, aujourd'hui, on passe le fondu au goût, OK? Alors, Sandra, vas-y. Eh bien oui, Sandra, tu viens de m'écrire. Mon groupe VIP est juste au-dessus. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe VIP. Moi, pourquoi j'ai commencé Tupperware? Je pense que c'est important avant qu'on fasse la recette. Très rapidement, là, OK? C'est juste que j'ai essayé de faire à manger. Ma mère n'avait pas de Tupperware. J'ai un beau deck en design d'intérieur. Puis là, j'ai comme fait... Je suis allée chez ma soeur parce qu'elle m'invitait à y aller. Et là, j'ai fait, oh, Seigneur, ça va être kitten, ça va être plate, ça va être épouvantable, ça va être... Je suis allée pareil. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai vraiment trippé. Sérieusement, là, qui a fait une découverte? Parce que Tupperware, c'est comme un plaisir coupable. Tout le monde aime ça, mais personne n'ose en parler parce que t'es comme gênée parce que c'est full kitten, OK? Mélanie, t'en as jamais mangé ou t'en as jamais fait? Même les petites mousses à l'épicerie. OK, jamais fait ça non plus. Oh, OK, là, tu vas capoter. Hey, ça, là, pour vos dîners, là, tu t'amènes une coupe d'olive avec ça, des petits morceaux de fromage. Vraiment, vraiment, vraiment fou. Parce qu'une conseillère me l'a demandé de nouveau. Ah, tu veux dire le lien du groupe? Ouais, bien là, vous avez mon lien de groupe juste au-dessus, OK? Hey, merci, Michael, d'avoir répondu à la question. T'es vraiment gentil. J'arrive pas à tout faire en même temps. T'as vraiment sa coche. Est-ce que je m'en allais dire, là? Ah, oh, Seigneur! C'est délicieux, santé! Ben oui, Sandra! Parce que moi, tout ce que je... ce que je veux vous dire, c'est que moi, c'est des recettes. Il y a plus de 250 recettes sur mon site. Et c'est toujours les recettes les plus faciles et les plus niaiseuses que tu pourras pas voir. C'est avec moi. C'est pas pour rien que c'est marqué « Simplifiez-vous la vie avec Maryse ». Parce que moi, je pense que le commun des mortels être dans une cuisine de plus en plus. C'est fou. C'est fou comment que les gens, ils ont de la misère à rester dans la maison. On a tellement une vie hyper active de nos jours. C'est des recettes style 5, 10, 15, ça nous prend. Mettez des petits cœurs si vous êtes d'accord avec moi, là.
Alors, sur mon groupe, on a du fun en montadine. Et en plus de ça, vous avez dans la section contenu multimédia, album, plus de 250 recettes. La semaine prochaine, on va faire des bonbons. Je vais vous faire des jujubes. Ça va être le temps de cuisiner ta courge aussi. Fait que mardi, je vous interdis de jeter vos citrouilles. Mardi, on va les cuisiner ensemble, les citrouilles, OK? Alors, vraiment, et sur mon VIP et sur ma page pro, ben, je vous fais les mêmes cadeaux. Là, c'est moi qui va payer pour les cadeaux. Alors, à la fin, je vais aller tout voir ça. Hein? Et fait maison, vous allez voir que cette recette-là, elle écoute, elle a du fromage à la crème, OK? Elle a du saumon, elle a des échalotes, elle a du yogourt et elle a de la gélatine puis l'eau froide. Vraiment, OK? Qui fait comme, ah, ouais, c'est si niaiseux que ça à faire. C'est si niaiseux que ça à faire. Puis regardez, je vais vous montrer, j'aime ça pas tout sortir pour vous montrer à quel point c'est du facile chez nous. Regardez ici. Tada! J'ai déjà mes échalotes hachées, OK? Et regardez, là. Là, je le sens direct, OK, du congélateur. Combien de fois tu as gaspillé des oignons verts, des échalotes, appelle-les comme tu veux, et parce que tu les avais pas mis dans un intellifrais, puis que là, tu as fait, mais là, quand vous la prenez, moi, je prends pas de chance. J'arrive, je les congèle comme ça, OK? Fait que là, ce qui est important, c'est que tu décongèles pas ça, ça va donner de la vraie bouette. OK? Alors, oui, au prix où est rendue l'épicerie, José, il faut cuisiner. Hey, les petites mousses de même, y a-t-il quelqu'un qui est vite sur le piton, qui est capable d'aller sur Google et regarder le prix d'une petite mousse au saumon? OK? Ou au thon, whatever. Celle aux crevettes, elle coûte encore plus cher, alors qu'il y a comme genre 6 crevettes là-dedans. Je suis tannée de me faire avoir à l'épicerie. Moi, je suis tannée. Et c'est ça que j'ai capoté, c'est un peu weird. On m'a montré à faire à manger avec une simplicité incroyable. Vive les garde-gel, mais tellement, Sandra, pour vrai, là. Regardez ça, là. OK? Et là, tu prends ça, tu mets ça sur tout le dessus de tes plats. Le goût que ça va donner, ça va être vraiment bon. Ça a rajouté des bonnes vitamines pour toi. Ça a rajouté du goût. Fait que t'as pas besoin d'aller dans des recettes compliquées. Je vous le dis, moi, c'est toujours ça. Et à tous les vendredis midi, on est ici ensemble. Hein? Je suis un méchant gaspilleur. Je veux... Ouais, ben, Michael, bienvenue dans le club. Faut jamais se sentir coupable de ça. Hey, moi, là, et en plus, Michael, là, je suis élevée avec une famille de Greenpeace, là, OK? Full grano, là, dans ma vie, là, mes parents, là, OK? Des hippies. Et j'ai été élevée avec « Faut pas gaspiller parce qu'il y a des enfants qui mangent pas dans le monde! » Et moi, je gaspillais énormément. Pourquoi? Parce que j'avais pas de système de conservation. J'avais pas d'intellifrais. J'avais pas de garde-gel. Fait que je congelais ma viande toute dans des sacs. OK, là, ça brûlait, ça goûtait le congélateur au bout de trois quarts du temps, on va dire la vérité. Je sacrais ça directement dans le chaud-pack qu'ils appellent, là, l'espèce de styromousse. Le plastique se déchirait. Tu sens ça, c'est brun, ça goûte le congèle, c'est dégueulasse. Pour vrai. Les petits pois sont poignés en menton. Non, mais némite, là. Ton céleri dit salut. Hey, je pourrais continuer des exemples de même, là, de la cassonade dure comme de la roche. Ça finissait plus! Ça finissait plus. OK? Moi, je vends mon entrée mousse saumon sur ma terrasse. Ah, mon Dieu! Mais je suis sûre que la tienne est bonne, par exemple, Marc. Faut encourager aussi de temps en temps. Moi, je suis pas cheap, je vais au restaurant aussi encore, OK? Alors, la tienne, elle doit être excellente. Mais imaginez, merci de nous donner le prix. Imaginez, hey, là, on va avoir deux cannes de saumon, un chose de Philadelphia, and that's it. Mais t'as-tu vu la portion que ça va faire? OK? Là-dedans, là, t'as comme au moins, tu on va dire... 6 mousses de l'épicerie, là. Hey, non, mais ça, Marc, tu fais un maudit bout, toi, dans ta business avec ça, en plus. Faites maison, je sais qu'est-ce que je mange. On me rajoute pas d'agent de conservation. J'en ai pas besoin d'agent de conservation, OK? On est déjà rendu à 52 commentaires. Oui, ça va faire un autre tirage, OK? Ça va faire un autre tirage. OK, attendez, là, il faut que je rouvre les commentaires. Tous les commentaires. Alors, attends, ça marche pas là-dessus. Je les vois pas toutes. OK, attends. Là, je monte ici, je descends, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Et il faut. On s'en vient ici à Sophie Limoges qui dit qu'elle vient de Saint-Eugène-de-Grandtown. Ouais! OK, Sophie, il faut que j'y aille noter ton nom. OK. Parce que c'est sûr, je m'en rappelle plus dans deux minutes. On aime ça. Et là, ce qui est le fun, c'est que moi, Tupperware... Commence la recette tranquillement parce que vous allez vraiment capoter dessus, là. OK, les tasses micro-pichets. On va prendre leur Philadelphia. On va les sacrer dedans. OK.
Et là, on va aller, là, on met ça dessus. Ça, c'est merveilleux, ces petites tasses-là. Parce que, bon midi à toi aussi, Christine. Je suis en train de vider mon garde-manger pour le remplir de mode. Oui, mes amis, Michael. T'es-tu abonnée, Michael? Parce que j'espère que t'es abonnée. Parce qu'en tant qu'abonnée, vous payez beaucoup, beaucoup moins cher votre stock. Marquez-moi dans les commentaires qui est abonné et qui n'est pas abonné. Marquez abonné, pas abonné. On va en parler dans quelques minutes. Là, je vais mettre ça au micro-ondes 30 secondes. On va juste la ramollir un peu, OK? Marquez-moi qui est abonné et pourquoi c'est avantageux de s'abonner, OK? Puis pour ça, puis pour ce qui mettent dedans, ça n'en vaut pas le prix à 18. Hey, tu vois, non, c'est ça, c'est fou là quand même. Vraiment, quel est le type de la recette et quel système utilises-tu? Daniel, c'est une mousse au saumon et j'utilise ça. Hein? Abonnez. Et s'il vous plaît, allez marquer dans les commentaires qu'est-ce que ça donne de s'abonner. Parce que pour vrai, des fois, les gens ont peur de se faire pogner, on va se dire la vérité. Là. On a toutes peur de se faire pogner un peu là-dedans. On dit, je vais être obligée de vendre. Marquez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Il n'y a rien de vrai là-dedans. On n'est pas une compagnie comme ça. Il y en a qui ont fait ça de cette façon-là. Là. L'avantage, les prix, les cadeaux. Hein? Exactement. Et là, regarde ça, parfait. Ça, c'est full ramolli. Puis moi, j'achète ça en paquet de 4 chez Costco là, parce que du fromage à la crème ici, là, avec les bagels au saumon fumé le matin, là, on en mange un petit peu. Ben, j'ai même plus besoin d'aller au restaurant. J'adore les bagels au saumon fumé. Mais ça aussi, ça coûte une vraie fortune. OK? Fait qu'on veut pas le faire. Et là, c'est bien facile comme recette. Ça, on va le tasser, hein? C'est juste en fin qu'on l'utilise. C'est marqué de tout mélanger dans un bol. Moi, je ne vais pas mélanger dans un bol, je vais tout sacrer ça là-dedans. OK? Merci. Continuez parce que les gens qui ne sont pas abonnés, j'ai le lien juste au-dessus. Et là, en plus, Tupperware a sorti un troisième sorte d'abonnement. Tu as 20$, tu as 60. Attends, c'est quoi l'autre? Je l'ai marqué hier. Ah, torpinoche. 125$. Et 200 et 159. Fait que tu as 20$, pas de produit. Tu as à 125, tu as 250$ de produit. Et tu as 159 pour 600$. C'est vraiment débile. Merci, Santa. J'étais comme, ça a sorti hier. Laissez-moi une chance, OK? Fait que là, on va juste tout mélanger là-dedans. Je vous le dis, vous allez vraiment triper. Je vais vous prendre une photo quand le résultat va être fini pour que vous puissiez le voir, OK? Hein? Exactement. Merci, Josée. Elle mange juste pour s'équiper, puis il n'y a pas de contrat. Vous avez juste le stock moins cher. On aime ça, là. OK. Le saumon. Là, on achète des cannes de saumon les plus cheap possibles, OK? Moi, je déteste les os là-dedans, mais regardez bien ce qu'on va faire, OK? Je vais juste me mettre au-dessus de quelque chose pour que ça coule partout, là. Ah, comme ça. Moi, j'aime pas ça, les os là-dedans. Ça m'écœure un peu. Il y a de la peau, il y a des os. Ouh. Oui. Ceux qui veulent la recette, elle est gratuite sur mon groupe. Allez en haut, rejoignez le groupe et je vous la donne. Elle est gratuite en plus des 250 autres, OK? Il n'y a aucun problème. Là, j'ai pris celle avec des os, j'ai pris celle avec de la peau, j'ai tout pris ça. Mais regardez bien ce qu'on va faire. Là, premièrement, on enlève le liquide et on va mettre de main. Et là, j'enlève le dans le milieu. J'aime pas ça. Ça m'écœure. OK? Puis je l'écrase. Là, oups, il y en a un autre là. Et le reste, on va tout le mélanger. OK? Fait que ça va coûter bien moins cher que des pas d'os, pas de ti. T'as-tu vu? Je suis capable de l'enlever là. OK? On va mettre ça là. Je vais laver les mains. Chose, ça fait 14 ans que je suis à Tupperware, que j'aime énormément faire à manger maintenant et je me suis promis que je donnerais envie de faire à manger aux gens. Parce que c'est les annonces à la TV nous disent qu'on n'a plus le temps, que c'est compliqué, que c'est long. Vous avez vu? Vraiment, là, il faut qu'on réapprenne à faire à manger. J'étais chez Costco l'autre jour, là, j'ai fait une attaque de cœur. Une attaque de cœur, je vous le dis. En plus, c'est gratuit de demander de l'aide. Oui, c'est quand vous vous abonnez à un service à la clientèle de Tupperware qui est vraiment, vraiment sacoche. Et là, on va prendre deux tasses. Et en plus de ça, là, s'il en reste, là, fais-toi des galettes de saumon avec plein de légumes. Okay, on met une tasse. De, bon, c'est ça, on n'est pas pire. Je vais juste être sûr d'avoir la bonne quantité pour que la mousse affige.
ça va en faire assez qu'on va avoir quasiment l'impression de se tanner, mais t'en donneras à tes amis, c'est tout, tu sais. Je savais même pas qu'il existait sans peau. Non, il y a la peau dedans, Lynn, c'est ça. Il y a la peau puis il y a les arêtes. Oui, ça existe, par exemple, tu peux l'acheter, pas d'arêtes, mais ça coûte plus cher, tu sais. Je trouve ça niaiseux, je l'achète plus maintenant parce que je l'achetais. Tu sais, Michael, tantôt, tu disais, moi, j'étais un grand gaspilleur, bien, j'étais vraiment une grande gaspilleuse, OK? Faites-vous-en pas. Et là, j'ai pas tout à fait une tasse de yogourt. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de penser le yogourt que j'avais. Parce que dans le fond même, il n'y a plus personne qui veut le manger. Puis en plus, il y a une couple de jours qui a passé. Fait que là, quand mon gars, il a vu ça, j'ai dit, « Hey, ça passe pas date d'ennui, là, ça, là. OK, c'est pas... Le 16, il est bon. Le 17, il est plus bon, là. » Tu sais, les ados. OK, non, hein? Qui a ça à la maison? T'es des petits bonhommes qui rient. Ceux qui font, c'est tellement vrai, c'est encore bon, là, OK? Ça fait une semaine et demie que la date est passée, j'ai goûté, il est très bon. Désolée, j'avais pris quelque chose sous le feu, donc j'ai manqué une partie de la... Ah, c'est pas grave, tu vas voir, c'est tellement facile comme recette. Sel, poivre, toujours, hein? On va rajouter aussi, vert de bain, on va rajouter du paprika fumé sur le dessus parce que ça va faire une fichue de belle couleur. Et du persil, OK? Quand on va la verser tantôt, là, on va mettre... À date, là, vous me suivez, il y a trois ingrédients, hein? Au début, avant de vous rejoindre, j'étais avec Norwex, j'étais pas dans mon élément. Ça arrive qu'on n'est pas toujours exactement... Je le vois pas tout, le commentaire, Michael, mais je vais aller lire avec plaisir, parce que là, je suis comme pas devant. Puis là, soyez pas trop cheap sur le sel, là. Le sel, ça donne du goût, tu sais. Fait que, Michael, je vais voir... Fait que là, tu nous as rejoint, je vais juste cliquer « Afficher plus », hein? Bon, là, je vais voir ton commentaire. J'aime ça vous répondre. Je m'étais garochée là-dedans sans avoir pris le temps d'écouter les formations. Hey, on a des formations qui sont gratuites en plus. Merci d'en parler, Michael. Tout est là si vous avez envie de nous rejoindre aussi. Il est encore à Abundant. C'est comme la référence de la flore. Il est encore bon. La date et la référence. Oh! Marc, c'est vraiment intéressant. Combien de temps après que je peux donner comme référence que tu es sûr que c'est bon? Et moi, je pense... En tout cas, moi, je me rappelle de mon père. Là, le fromage, il enlevait le bout de bleu puis il mangeait le reste. Tu sais, s'il avait fait comme de la petite mousse, là, il l'enlevait puis il mangeait le reste. C'est déjà de la culture. Ah, peut-être que je vous écœure en ce moment, là, mais pour vrai, on jette beaucoup trop de choses aux poubelles en disant « C'est du marketing, les dates. » Marc, il vient de vous le prouver. C'est du marketing, les dates. Arrêtez de vous faire avoir avec ça, OK? On va mettre... Bon, fait que là, on a mis le fromage, on a mis le saumon, on a mis les... Aïe, on a déjà presque fini. Qui fait comme? Ben, voyons donc, check la batch. Là. C'est bon. Check la batch que ça fait. Et là, let's go, baby! T'as pas besoin d'être fort, là. Moi, j'étais un petit poulet mouillé de 97 ans, OK? Ça va être bon, OK? Et oui, une grosse affaire de cash. Merci que je suis pas la seule. Parce que moi, des fois, Marc, là, je partage des affaires, là, puis là, les gens disent, bon, c'est bien, tu veux vendre le stock. Non, arrête de penser ça. C'est parce que, justement, j'ai tout changé ça. Hey, tu sais, une canne de petits pois en canne, ça, j'achète plus ça. Mais tu sais, pas des petits pois, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme idée? J'étais comme, voir que ça passe date, premièrement, là. Ouais, ça passe date. Hey! Chercher! Hein, t'as mis quoi avant de mélanger? Bon, là, j'ai là-dedans un paquet de fromage Philadelphia. J'ai deux cannes de saumon. J'ai une quantité à mon goût d'échalote. J'ai une tasse de yogourt. Et la dernière chose qui nous reste, on va juste partir ça. J'avais pas le choix de le faire comme ça. Parce que. Oh, attends, je vais le chauffer de même. Non, on met une demi-tasse d'eau froide. Juste pour vous le montrer, j'ai complètement oublié de la chauffer. On va mettre ça 2 minutes, puis on va dissoudre la gélatine, puis la recette est finie! Wow! Qui fait bien là? Ben là, hein? Exactement, des conditions de réfrigération parfaites. Tu sais, je vous le dis. Ah oh oui, c'est ça, la gélatine, c'est la seule chose qui me manque, ma belle Josée. Fait que qui capote sa recette? Pour vrai, là. Qui fait comme, ben là. Fait que n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Pour vrai, c'est toujours comme ça. Non, c'est que je fais, oui, j'oublie tout le temps, mon plein affaire. Qui est comme moi en cuisine, là?
OK, pour vrai, là. Vous l'avez vu. Et moi, là, le but, c'est pas que vous faites « Oh mon Dieu, qu'elle est bonne ». Le but, c'est que tu fais « Ben, Colin, je suis capable de la faire la recette ». C'est ça mon but, là. C'est pas un show, là, que tu fais « Wouhou! » OK? Fait que, allez juste en haut, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir avoir la recette. Elle est gratuite, elle est faite pour vous. Et je vous le dis, qui va la faire? Marquez-moi dans les commentaires. J'ai envoyé une demande. Ouais, attends, je vais aller vous accepter tout de suite. On va aller faire ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup. Hey, je fais des jujubes la semaine prochaine. Wow, on a 5 personnes. Hey, Josée, je te vois. Mélanie, Andréane, Catherine et Elda. Hey, on a 5 nouvelles personnes. Vraiment, on va avoir du fun. Dans le yoga, ah, c'est ça, je veux lire, Marc. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est intéressant. Moi, j'aime ça apprendre de vous autres. On va mettre afficher plus. Tu fatigues, j'aimerais ça que tout le commentaire s'affiche. Dans le yoga, ce qui fait l'activité, le vieillissement, c'est le fruit ou gelé sucré, mais un surplus. Mais un yogourt totalement nature, sans saveur, on peut le garder. Oui, ben là, c'est exactement ce que j'avais. Avez-vous vu? Avez-vous Marc, il dit. Okay? Mais c'est le fun des fois parce que des fois, les gens ne croient pas nous. Mais moi, c'est ça qui me fait triper, c'est que je me dis, c'est pas vrai, là, depuis le 16 octobre. Et si je le dis à ma famille, ils vont dire « Franchement, tu vas nous rendre malade? » Hein? N'importe quoi. Fait qu'il va nous rester juste la gélatine. C'est bien. À chaque fois, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je révise mes recettes, je me dis « Ok, j'ai tout sorti. » À chaque fois, je fais « Oh, j'ai encore oublié quelque chose. » Mais il disait « Sur le feu, là, 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 on met ça direct là-dedans. » Faut pas se casser en tête parce que si vous vous cassez la tête, vous n'aurez pas envie de faire à manger. OK? Je vous le dis, moi, quand c'est compliqué, mais ça, là, oh mon Dieu! Allô, Judith! Ça, là, quand vous allez la faire, cette recette-là, puis ce que j'aimerais, c'est que si vous la faites, vous me le dites, s'il vous plaît, OK? Parce que j'aime ça, savoir que ça vous a aidé, vous autres aussi. OK? Et incorporer la préparation de saumon. That's it! OK? On a fini. Fait que je vide ça là-dedans. Notre demi-tasse. On mélange. Et la recette est finie. On met ça dedans. Et moi, je peux vous expliquer de la façon dont j'aime faire à manger. Là, souvent, je me mets AirPod. Là. Mon chum aime beaucoup le hockey, RDS, on s'entend, c'est énorme. Je me suis fait une petite playlist iTunes. Puis j'écoute ma musique dans la cuisine. Puis je fais à manger. Pour rendre cette expérience-là agréable, on dirait qu'on a perdu le goût en quelque part de faire à manger. C'est sûr, la TV nous manipule. La TV nous manipule. Tu sais, t'as pas le temps de faire à manger, c'est pas grave. Commande-en. Ben oui, je vais payer 5 fois plus cher, moi, parce que tu me fais en grand que j'ai pas le temps. Là, chez toi, ça t'aurait pas pris une demi-heure à faire ça. Tu parles pas avec toi-même. Ben, ça se peut, là, mais normalement, tu fais pas tant se poser. Okay? Et on va mettre ça dedans, ça va prendre 8 heures et ça va être prêt. Qui capote sa recette? OK? Regardez ça. Hey, ça, dans le temps des fêtes, amène ça chez ma tante Rita, là. Je te dis, tu vas, là, t'arrives, fais-les tout rindy. Moi, je vais emporter l'aspic aux crevettes. Là, ils vont faire. Ah! Depuis quand tu cuisines? Tu vas dire, ben, ça fait longtemps. Et là, tu vas amener ça, tu vas les jeter à terre, là. OK? Là, ça, je trouve ça juste plate que ça prend 8 heures parce que j'en mangerais genre drette, là. C'est vraiment fin. Mais on s'en va au chalet en fin de semaine. Puis combien de fois on fait des épiceries pour des chalets? Ça te coûte plus cher pour une fin de semaine au chalet qu'une épicerie de la semaine chez vous. OK? Qui est d'accord avec moi? Mais quand tu as l'extra chef, là, ça c'est l'autre raison pour laquelle, s'il vous plaît, parlez à vos amis de vous abonner. OK? Parlez-en. Regardez ça, c'est beau. Là, là, on va mettre ça comme ça. Parce que vous le savez, quand on va la revirer de bord, il aurait fallu que j'en mette dans le fond aussi. OK? Mais là, ça va être pour le goût. Parce que là, quand je vais revirer de bord, ça ne marchera pas, mais on la laissera de même. OK? Pourrait-on mettre de la crème sûre au lieu du yogourt? Bien, sûrement, Josée. Je pense que oui. Ça, je ne vois pas de problème. Puis là, ça va donner juste un petit peu de goût. C'est du paprika fumé. Il faut que vous allez acheter ça en vrac. Le paprika fumé, ça goûte le ciel. Le ciel. Je vous le dis, là. J'adore cette crème-là. Regardez ça. Merci. Bonjour. Elle est partie. On s'envoie ça au four 8 heures. Et demain matin, tu vas manger ça avec ton petit bagel. Là. Oh my goodness. Non, mais on capote. Et là, je vais aller voir. Hein, qui va l'essayer? Qui va... Et même de la mayonnaise. Ben, je pense que toutes les...
je pense que yogourt, mayo et crème sûre, tu peux toujours choisir un 3. Oui, on peut, et même de la mayonnaise. Marc, j'attendais que tu répondes. Marc, tu fais quoi comme travail? Parce que c'est le fun, là, il y a plein de... Au four? Ah, mais non, tu m'as passé au four. J'étudie au four? J'étudie au four. Fouchetage. Merci, Josée. Alors, 110 commentaires. Oh my God, il faut aller faire un autre tirage. Vous êtes unbelievable. Ça veut dire que là, le 100$, il est gratuit. Ouh! OK, on capote. OK, il nous manque... on est à 14 partages. Il y en a-tu d'autres qui n'ont pas partagé? Allez partager sur votre profil perso. Allez partager dans votre story. Comme ça, on va avoir aussi un tirage pour ça. Hein? Qui est game d'y aller? Je fais la même recette, mais avec du poulet cuit. Oui, exact. Ça fonctionne tellement. Ne pas envoyer... Non, mettez pas ça au four. Si j'ai dit au four, là... Hein? Non. Non. On ne fait pas ça. Alors, je vais aller... Roxane Adès, c'est donc bien le fun, ça va, ouais. Ça, là, lâche-toi de penser que c'est rien pour votre grand-mère, là, OK? C'est pas rien que ta grand-mère, c'est parce que si t'ajoutes des petites mousses au saumon, c'est là, imaginez. Oh, Marc, ça, c'est hot. Mon père a un jardin exceptionnel et il y a un de ses amis qui a des semences ancestrales, tu sais, pas modifiées, pas GMisées, là, plein d'affaires de même, là. C'est fou. Ben, tu dis au four, mais tu voulais dire au frigidaire. Vous allez apprendre à me connaître. J'ai un léger déficit d'attention. Un petit peu d'hyperactivité, mais j'adore la vie. Fait que si vous êtes capable de tolérer ça, on a vraiment du fun ensemble. Okay? Fait que pour tous ceux qui pensaient que ça allait au four, ça va au frigidaire. Okay? Très important. On met pas ça dans le four. Hey, mon frigidaire est tellement plein. J'ai deux soupes, j'ai 20 intérieurs frais. C'est tellement beau la vie, tellement beau la vie. Alors, chef propriétaire et maraîcher bio, t'es dans quel coin? Oh, ça, on aime ça. Des maraîchers bio. Marc, là, fais un petit pub pour toi, Marc. Là, moi, je te donne la plateforme. S'il y en a qui veulent aller dans ton coin, là, je ne sais pas si Maria, ça la dérange, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est ça, hein? Tu vois, il y en a qui veulent te connaître. Marc, fais ta pub. Vas-y, c'est gratuit. Parce que c'est le fun d'encourager les maraîchers locaux. Gagne. À Drummondville, gagne. C'est tous ceux qui veulent aller à Drummondville, c'est chez Marc que ça se passe. Puis surtout quand c'est des maraîchers locaux, c'est ça qu'il faut encourager le plus possible. Allez acheter vos choses proches dans les maraîchers proches de chez vous, dans les magasins près de chez vous. Si vous avez des bouchers, tu sais, de votre coin, arrêtons d'acheter à quatre coins du monde. Achetons le plus possible local. Ça aussi, c'est être environnemental, gagne, là, OK? Alors, là, je vais avec un autre commentaire. Ouais! Parce que, je pense qu'on a le droit d'en faire deux. Ouais, parce qu'on était à 100. Tantôt, Ah oui, c'est ça. J'ai Mickaël et Sophie. Hey, là, on va en faire deux. Oups, je capote. Je suis vraiment excitée. Oui, ça sera pas long, Sunny Boy. OK? Et là, fou! On a ici Sandra Labry qui dit « Vive les gardagères! » Ouais, Sandra, attends, faut que j'écrive ton nom parce que mon petit cerveau de poulet, il va l'oublier. J'ai plein d'autres qualités, mais j'ai pas celle-là. Et j'ai pas celle des jardins, Marc, non plus. Ma famille, on est 4 enfants chez nous. Mon frère a un jardin exceptionnel. Ma soeur a un jardin exceptionnel. Mon autre soeur, avait un jardin exceptionnel parce qu'elle travaille beaucoup à l'extérieur. Maintenant, mon père pourrait nourrir le village au complet. Et moi, mes carottes, là, ils étaient ça de haute. Je me sens vraiment différente de la famille. Mais bon. Alors, on en fait un autre. C'est bien trop hot, ça. OK, c'est pas moi qui paye en plus. Non, mais... Et fou! On arrête ici. Ah, Sylvie Lévesque! Ouais, je la connais. On suit ensemble, ça fait longtemps. C'est moi qui gagne le prochain. Sylvie! Bon timing. Alors, et là, on a-tu les 25? Attends, j'allais checker si on a les 25 partages. Faut que je fasse un refresh. N'oubliez pas de rejoindre le groupe plus haut. Puis, comme ça, les gens vont pouvoir aussi voir le groupe avec les foules de recettes. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Oh, t'as 21, Torpinoche. Hey, come on. Attends, je vais en faire un autre. Moi aussi, je vais aller le partager sur le groupe de mon chum. Là, on va être à 22. OK. Attends. Copier. Je vais aller
vais partager public. Attends. Partager sur le fil d'actualité. Je peux-tu aller le mettre sur celui de mon chat? Oh mon Dieu, je viens de découvrir quelque chose. Oh, excusez, je viens. Hein? Je mettrais une annonce. Bien, on ne peut pas la mettre direct sur le groupe, mais mets-la dans les commentaires parce que tout le monde. Allez sur le nom de ta compagnie, peut-être, Marc? Comme ça, les gens vont trouver. Cherchez Marc Théberge à Drummondville, vous allez le trouver. Là, on est à. On a. Allez, let's go, là. On est à combien? On est à 26! Ouais! OK, je capote. On en fait un autre. Ah, oh, j'aime ça, moi, ça. Tu sais, on a une fille qui a gagné, puis c'est pour moi qui gagne, tu sais. Et on a José au coin qui dit « Je suis membre, mais juste pour m'équiper! » Oh my God! Hey non, mais qui a trippé? Qui va être parmi nous vendredi prochain à midi? Je vous fais de la guacamole et des nachos. Parce que le vendredi, on mange du junk. Mais on mange du junk qu'on a fait. Ouais, non, c'est juste qu'il a commencé ça, il pleure des fois dans sa petite cage, mais la dresseur qui est venue, Josée, elle a dit « Oh my God, t'as une méchante drama queen. » Fait qu'elle dit « Fie-toi jamais. » J'ai tellement ri quand elle a dit ça. Elle dit « Je viens d'y accrocher le coin de la patte. » On dirait « J'y ai arraché la patte au complet. » Fait qu'elle dit, « Attends, je voulais voir mon chien. » Attends, on va le montrer. Je vous montre mon fidèle compagnon, mon petit Sonny. Oui, tu vois. Hein? Oui, vraiment. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir. Moi et Sonny, on vous dit bye-bye. Hein? On dit bye-bye. Hein? Il est en vedette sur le groupe en plus parce que je l'ai mis, j'ai mis un beau petit suit avec la nouvelle collection Buffalo. Je ne sais pas si vous... Non, touche pas, touche pas. Il lèche tout le temps. Il lèche tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas besoin que tu me fasses un nettoyage, là. J'ai pas besoin que tu me fasses un... Ouais, sa chemise, ben, j'aimais pour aller dehors, Judith, son petit manteau. C'est vraiment cute, hein? Hey, ben, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là, les amis. C'est vraiment cool. Et oubliez pas de rejoindre le groupe pour avoir toutes les recettes. Oubliez pas de vous abonner. Puis j'ai même mis le lien pour ceux qui veulent magasiner aussi, si vous avez juste envie de magasiner. Puis sinon, envoyez-moi votre commande, envoyez-moi vos infos, je fais tout ça pour vous autres, OK? Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, les amis. Et je vais communiquer avec Maria les quatre noms, les cinq noms. On a-tu? Une, deux, trois, quatre, cinq. Les cinq personnes qui ont gagné aujourd'hui, je vous félicite. Sonny, t'es où? Ah, t'es là. Excusez, faut pas qu'elle aille au bord de la porte, ça me fait paniquer dans ce temps-là. Alors oui, j'ai le poil de chien en bouche. Alors, bonne journée tout le monde. Bye-bye.